6-9 la matinale, matin sport. Sport. Avec moi Fethi Bendali, bonjour Fethi. Bonjour Soraya. Lors de cette année 2023, à l'image de 2022 et 2021, le sport aura été placé au cœur des priorités sous l'impulsion du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il l'a dit dès son investiture, la relance du sport doit être globale et profonde, structurelle, infrastructurelle et organisationnelle. D'abord structurelle, puisque l'Algérie est en train de se doter de nombreux stades modernes de niveau international, comme le stade de Tizi Ouzou, un vrai bijou qui sera inauguré dans les prochains jours dans le plan architectural a été conçu par Omar El-Maliki, l'Algérien, et avec des gradins entièrement couverts pouvant accueillir jusqu'à 60 000 spectateurs. Un stade qui vient s'ajouter à celui de Douéra avec une capacité de 40 000 spectateurs et qui a été cédé en gestion au doyen des clubs algériens, le Mouloudia d'Alger, à l'occasion du centenaire du club. Ou encore le stade de Berraki, inauguré à l'occasion du Chan organisé en début d'année. Un stade qui porte le nom de Nelson Mandela, tout un symbole pour l'Algérie qui a toujours soutenu les causes justes. Sans oublier le parc olympique de la ville d'Oran qui entoure le stade Miloud Hatfi, lui aussi pouvant contenir jusqu'à 60 000 spectateurs et qui avait accueilli les Jeux méditerranéens que l'Algérie avait organisés avec brio. Des acquisitions pour l'Algérie qui en appelle d'autres, le président de la République Abdelmadjid Tebboune. احنا نبارك لكل الشباب نتاع الشرق والغرب والوسط بانجازات نتاع مركب هاتفي ميلود ستاديوم مانديلا نتاع دويرة نتاع تيزي وزو عندنا التوسعه نتاع 5 جويليه ان شاء الله باش نكمل كاع الرن ونغطي منه قدر المستطاع على حساب التقنيات. Et pour la relance du sport dans sa globalité, le président Abdelmadjid Tebboune s'était engagé à relancer le sport scolaire et universitaire. L'emploi, d'ailleurs, depuis le début du mandat du président de plus de 12 000 professeurs en sport, prouve cela. Abdelmadjid Tebboune, président de la République. C'est la refondation des sports parce que l'SS, الرياضة الجامعية دونك من النخبة الابتدائية تفوت الجامعة. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Algérie est sur sa lancée pour devenir une nation émergente dans le sport.